Dans le dossier judiciaire du chlordécone, il aura fallu beaucoup de patience et de ténacité aux avocats. À l'origine, trois plaintes majeures sont déposées contre X pour tenter de déterminer les responsabilités dans ce désastre sanitaire. Deux en Martinique, une en Guadeloupe. Celle de Martinique entre 2006 et 2007 émane de l'Assopamar pour empoisonnement et mise en danger de la vie d'autrui et d'écologie urbaine de Louis Boutrin pour empoisonnement. Ce que nous attendons de cet ouvrage, maintenant que nous avons établi les responsabilités, c'est qu'il y ait des enquêtes épidémiologiques par des experts indépendants. Deuxièmement, nous voulons que les agriculteurs, les petits agriculteurs notamment, qui sont également victimes de cette situation, soient indemnisés. L'avocat se base notamment sur les travaux réalisés avec Raphaël Confiant dans le livre qu'il présente alors, Chronique d'un empoisonnement annoncé. En Guadeloupe, c'est une association de consommateurs, l'URC, qui porte plainte en 2006 pour administration de substances nuisibles et mise en danger de la vie d'autrui. Les trois plaintes rencontrent de nombreux obstacles, voire des péripéties. Car entre-temps, quand Paris a récupéré le dossier, une pièce a été égarée. Sa disparition pourrait entraîner un vice de procédure. Mais depuis 2013, les choses semblent s'accélérer. Les trois plaintes ont été réunies en un seul dossier, chez le même juge d'instruction au tribunal de grande instance de Paris. Les avocats ont été reçus la semaine dernière avec des nouvelles plutôt encourageantes. Le dernier juge d'instruction en charge du dossier a décidé de donner une autre orientation à l'enquête en demandant aux gendarmes d'identifier physiquement les personnes qui, dans les ministères, ont travaillé sur le Kuolong, le Kepon, qui ne sont que des dénominations commerciales du chlordécone, d'identifier les importateurs, distributeurs, revendeurs et lobbyistes, d'identifier également les groupements de planteurs et autres qui ont pu utiliser de façon illicite le chlordécone après l'interdiction. Les noms des acteurs présents à cette époque sont déjà connus. Les ministres Édith Cresson, Michel Rocard ou encore Jean-Pierre Soisson. Les groupements de planteurs, JPAM et SICABAM, l'importateur Laurent de la Garrigue et certains hommes politiques en Martinique. Mais si leur relation avec le chlordécone est un fait, leur éventuelle culpabilité ne peut être déterminée que par l'enquête et le tribunal. Nous devrions en savoir plus dès la semaine prochaine.